Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, c'est un, comme vous le savez, c'est un magazine d'information générale. De la République démocratique du Congo. Bonjour et bon dimanche partout où vous nous, vous nous suivez à travers le monde, en Australie, aux États-Unis, en France, en Europe, en Chine. Merci et merci de nous faire confiance. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué dans notre sujet, non à l'évacuation de Vitel Cameré à l'étranger. C'est le thèmes d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres informations. Nous allons tenter d'analyser quelques informations, mais le thème principal aujourd'hui, non à l'évacuation des vitales camérées à l'étranger. Je vais me justifier, je vais donner mes raisons. Merci de nous faire confiance. Merci de rester avec nous pendant ces 45 minutes pour ensemble partager ces grands sujets. Pourquoi nous nous disons aujourd'hui non à l'évacuation des vitales camérées à l'étranger. Alors, nous allons nous justifier. Alors, pour cela, je, je remercie d'abord tous ceux qui partagent nos vidéos. Je remercie euh, tous ceux qui, euh, qui, qui aiment notre euh, page euh, Facebook, euh, notre chaîne YouTube Mosaïque TV. Si vous pouvez euh, vous abonner, si vous pouvez partager nos vidéos, si vous pouvez aimer nos vidéos, ça sera une très bonne chose. Alors, pourquoi nous disons non à l'évacuation? des Vital cameré, à l'étranger. Chers amis, je pense que les dossiers de Vital cameré, parfois il y a des gens qui peuvent dire, mais bon, oh, OUP, Aotuapi, de quoi, qu'est-ce qu'il raconte, ainsi de suite. Je sais pourquoi je l'ai dit. Tolingi, les lots expliquer expliqué pourquoi Vital cameré ne peut pas aller à l'étranger pour des soins. Pour quel motif? Il y a beaucoup de gens qui disent, euh, les dossiers cameré est un dossier... Euh, est un, est, un, est un procès politique, est un procès, je ne sais pas moi, de tout genre. Mais aujourd'hui, dans ces magazines, nous allons vous confirmer que le procès Vital caméré c'est un procès à la fois politique et à la fois aussi pénal. Nous allons nous expliquer. Alors, sur tout les, tout, tout le, tout, tout, euh, toute la procédure ou toutes les deux procédures, la conclusion nous permet de dire que... Vital Kamere ne mérite pas de quitter la RDC pour l'étranger pour des soins. Nous allons nous justifier. La première des choses, vous savez, chers amis, que euh, Vital Kamere, d'abord, je vous donne une petite genèse de la situation de Kamere jusqu'au moment où nous sommes arrivés, jusque là où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vital Kamere Comment est-ce qu'on en est arrivé là avant aujourd'hui de penser qu'il n'y a qu'aucun étranger Vital Kamere, quand ils sont allés à Genève, Sali, Réunion, Nabango, et ils se sont retirés avec Félix Tshisekedi. Quand ils se sont retirés, à Nairobi, Sali, accord, Nabango. Accord, Nabango, Boébi, continue, je ne souhaite pas revenir sur cet accord-là. Maintenant, je vais d'abord expliquer les volets. Procès Kamere, c'est un procès politique. Je vais revenir sur le procès pénal. Alors, les la RDC, la Nairobi, ils ont fait leur accord, ils se sont entendus de leur manière et finalement, euh, finalement, ils se sont décidés de marcher ensemble. Alors, maintenant, comme Kinshasa, Vital Kamere s'installe, Pembenia, Félix Tshisekedi. Il commence à travailler, il raté primature et maintenant, il s'installe. Dans le cabinet, il y a Félix et Tshisekedi. À deux, ils vont gérer les pays. Maintenant, regardez la situation. Là, je suis en train de revenir pour vous montrer comment le procès caméré est d'abord un procès politique et je vais aborder les volets pénals. Leur caméra vendait à le bureau et L'FCC qui, qui donnait l'impression d'être l'allié de Félix et Tshisekedi, donc, et Vital Kamere s'est réuni pour prendre une décision en se disant Nous avons raté le pouvoir et aujourd'hui, c'est l'opposition qui a le pouvoir en RDC. Si nous laissons Félix Tshisekedi travailler et réussir en 2023, en 2023, on n'a pas d'explication à donner aux gens, puisque les gens vont comparer notre gouvernance de 18 ans et la gouvernance de Tshisekedi de 5 ans. On dira. Bangote, tous Alors, ils se sont fait des idées, ils se sont dit, nous devons créer des sortes qu'on qu mette mal à l'aise Félix Tshisekedi. Et s'il est euh, mis mal à l'aise, il va rater son quinquennat. Et comme ça, en 2023, nous, nous aurons un discours pour leur dire voilà, nous leur avons donné cinq ans, ils n'ont rien foutu. Alors, remettez-nous le pouvoir. Comme ça, nous, nous allons améliorer, nous, nous, nous allons reconnaître nos erreurs et nous allons améliorer dans les jours à venir c'est ça le plan du FCC, alors comment le FCC va réussir cette mission le FCC s'est dit nous pouvons attaquer Tshisekedi c'est possible Et mais Tshisekedi est, est difficilement, difficilement atteint, c'est à dire que Pembe Azana Kamere tous les plans que nous pouvons faire pour atteindre Tshisekedi, Kamer, comme il comprend les signes du temps, comme il comprend les analyses de tout genre, Kamer risque de barrer la route à notre, euh, notre projet. Nous allons échouer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de mettre d'abord Kamer à l'écart et laisser Tshisekedi seul. Comme ça, dès qu'il est seul, il y a facilité de lui mettre des, des pots de banane sur son chemin et nous allons facilement l'avoir. Alors, il se décide, ça c'est les FCC qui travaillent dans son coin. Alors, Alors faut faire... maintenant, excusez-moi, maintenant, les FCC commence maintenant à travailler comment écarter Vital Kamere, Pembeni, Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, UDPS, remarquant que Bazoui pouvoir. UDPS a vendu à réfléchir, à mon façon, VKZO travaillez les à l'objet jamais. VK a coqué, permettre à président Tshisekedi euh, à atteindre l'objectif de la 2023. La manière dont il travaille, nous avons un échec. Nous allons manquer quoi dire à la population. Il nous faut, coûte que coûte, mettre Kamere euh, bah, Nyonso, Ils ont amené Tshisekedi. Ils ont dit, voilà, voici ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq éléments qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir un bilan à présenter à la population en 2023. Kamere doit quitter Pembe Tu sais qu'il y a ta ligne à gauche, tu sais qu'il y a ta ligne à droite. Il s'est dit, si j'arrive à évacuer, tu sais qu'il y a à gauche, et que vous allez être traîtres, je ne suis pas un traître. J'accepte votre pression, mais nous laissons le temps au temps. Tu sais qu'il y lui aussi voulait se laver les mains et il voulait que si un problème arrive à Cameroun, et où Chers amis, je suis en train de vous faire une analyse. Vous allez vous dire mais comment lui peut être non Je vous donne une analyse avec beaucoup de précision parce que je suis sûr de ce que je suis en train de vous raconter. Ludepse d'un côté fait pression sur Félix Tshisekedi et lui dit nous allons rater en 2023. FCCP Pembeni l'objet, Tshiseke tu dit, pour que tout soyez bien, il faut tout faire dans nos kamere pembein. Puisque kamere, tous les plans, il y a mike miki autour tout ça là, il va toujours comprendre et il va dire à Tshiseke tu dit, tu sais dit, va éviter ça. Que faire? bandi. L'IDPS voulait la tête de kamere. FCC voulait la tête de caméras. Comme ça, Tshiseke tu reste seul. Pour l'IDPS, tu sais dit, va réussir. Pour FCC, tu sais dit, va échouer. Comme ça, en 2023, ils auront un discours devant la population. Il y a un troisième acteur qui joue aussi une autre carte. C'est la communauté internationale et plus, plus particulièrement les États-Unis d'Amérique qui s'est dit inquiet. D'abord, on a comportement. Il y a Joseph Kabila gouvernance naïe. Depuis très longtemps, les États-Unis n'ont jamais accepté, n'ont jamais, jamais senti Joseph Kabila. Puis, pourquoi? Puisque Joseph a livré. Toute la richesse de la RDC, tous les minéraux de la RDC à la Chine. Et puis, à États-Unis létat États-Unis a une humiliation, il y a États-Unis à l'endroit de Kabila. C'est ainsi qu'ils ont commencé par frapper. L'autorité, tout le monde autour de Kabila, ils ont commencé à frapper, ils ont commencé à frapper. Et finalement, ils se disent. Comme Tshisekedi a eu le pouvoir, c'est une bonne occasion pour avoir Joseph Kabila. Donc Kabila reste, euh, hein, reste un pion recherché maintenant par les États-Unis. Alors les États-Unis maintenant se posent la question. Pour atteindre Kabila, les États-Unis s'allient, Félix Tshisekedi. Alors ils disent que tous les plans que nous pouvons faire pour atteindre Kabila, nous n'avons pas confiance en Vital Kamere. Puisque ce qui est vrai est que Kamere n'a Kabila Bakabuanate. Peut-être ils se sont euh, divisés autour, il y a perdre autour de, de partis politiques, euh, idéologies politiques, et ainsi de suite. Mais en termes, il y a pas masta, il y a pas de problème. Les États-Unis ont compris cela. Ils disent, si nous allons monter un plan pour atteindre Kabila et que Vital Kamere a toujours ce qu'il dit, nous n'allons pas réussir puisque Vital Kamere comprend, il va toujours signaler euh, Kabila et nous risquons de rater notre plan. Alors les États-Unis commencent à travailler de son coin. Puisque pour Vital Kamere, ce qui est vrai est que Vital Kamere n'était pas, pas prêt à livrer. Joseph Kabila. Pour Vital Kamere, son problème avec Tshisekedi, c'était d'abord de travailler sur de grandes réalisations du pays, de grandes promesses électorales, et puis, dossier Kabila et toute sa bande, c'est pas une priorité. Or, les États-Unis voulaient dire, pour laisser Tshisekedi travailler dans les calmes, nous devons d'abord enlever cette bête noire, Pembeninaye, qui est Joseph Kabila. Alors maintenant, il y a trois grands acteurs. Qui travaille sur la tête de Vital Kamere. UDPES, qui ne jure que sur le départ de Vital Kamere Pembenia. Tshisekedi dit Voyons 2023, nous voulons avoir un bilan. Avec Kamere, Fatih va, va échouer. Deuxième, possible, deuxième acteur, c'est le FCC. Le FCC qui dit Si nous voulons mettre du mal à l'aise, il faut que Kamere soit à la Pembeni. Sinon, nous allons échouer. Troisième acteur, ce sont les États-Unis d'Amérique qui se disent pour bien avoir Kabila, il faut que Tshisekedi ait la seule, puisque Kamere a constitué ombre dans le projet de Voilà, chers amis, pendant ce temps, Kamere ne savait pas quel jeu est en train de se jouer. Il pouvait voir ce que euh, l'UDP est en train de faire dans les médias, tout ça. Mais il y c'était ça le plan. Kamer et Pembe, c'est ce dit non. FCCP, ce qu'ils ont dit non, c'est ce dit non. Et aussi, il faut que vous soyez Pembe. Vous pas dans travaille dans l'essence. Les, sens... les États-Unis aussi disent que pour avoir Kabila, notre bête noire, il faut que vous uh, Vital, Kamer et Pembe, puisque Vital, Kamer et Kabila, ils sont les la première phase, il y a carte, il y a VK. Et et Yekotikala, alors les États-Unis lancent encore une deuxième opération. Les États-Unis provoquent une enquête. Enquête au Babingi, enquête il y a GEC, groupe d'études sur le Congo. Je pense que beaucoup vous avez une idée sur ça. Cette enquête s'est financée à 100% par les services secrets américains sur le Congo. Et dans cette enquête, on publie. L'enquête met noir sur blanc Kabila, euh, Kamere Vital à nu pour dire que Kamere a détourné autant de millions, autant de millions, autant. L'enquête accuse Vital Kamere de A à Z. Chers amis, Boyo Kangaï, très bien. L'enquête sur les groupes d'études sur le Congo, financés par les Américains, présente maintenant comme. Caméra comme un élément qui dérange, un élément qui n'aime pas le développement du pays. Et ils ont étalé tous les détournements. et y a Vital FCC Pembe Ninaya Lobby, voilà, nous avons une bonne occasion. Nous allons sauter sur la situation. FCC, avec les ministres de la Justice, avec le Premier ministre, ils disent Plan Abisso, c'est maintenant ou jamais. Ils proclament les sujets dans les conseils des ministres. Suivez-moi très bien. Il proclame les sujets dans les conseils des ministres. Le premier ministre ordonne sur le champ, les, les vice-premiers ministres et ministres de la Justice, de mettre en place une commission travaillant sur la question de détournement à la présidence et sur le projet 100 jours. Du coup, on monte une équipe, on monte des enquêteurs et on fait appel à Caméré, qui était les premiers à être ciblés. Caméra caméra Bakangi Kamere, Baboki namakala, va monter déjà toutes les stratégies, équipe, tout, tout, tout. C'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, Emmanuel Aramazan Chadari, Shadari, l'air basolo ya, basolo ya, nani, comment on appelle ici, tourne à et Koyakiawa, il a dit, d'ailleurs, vous vous rappelez, procès Kamere, et Bangote et Zabiso. Ils ont avoué ça. Ils ont dit procès Wana. C'est nous qui sommes, qui sommes auteurs de ça. Babé côté, c'est notre initiative. C'est nous qui avons diligenté tout, tout ce qui se passe, c'est nous. Alors, les gens maintenant, les sages comme nous, nous avons compris. Puisque chaque jour ici nous faisons des enquêtes, nous suivons la situation de plus près. Kameré Namakala, FCC se frotte les mains. Se frotte les mains que la mission, elle a réussi. Ils ont oublié qu'ils ont joué les jeux des Américains. FCC, du coup, il 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 prend encore. Puisque vous savez ceux qui sont à Bethabas, qui sont à Bethâdam, Esaka, Pion Moko, Pion Anasoro, Longoliango, au terrain, il y a ennemi et puis au rafle, bah Pion Musou ni Alors FCC se frotte les mains que notre ennemi peut mener. C'est qui dit? Est parti. Alors qu'il a, qu a joué les jeux. Des de l'UDEPS d'une part et des États-Unis de l'autre. Les unis ce sont les États-Unis qui ont provoqué ça. FCC a Sukiwanate, a lancé les sources de dossiers. Il risque de nous bloquer. Nous allons maintenant les, les, les virer de là où il est. Il monte un dossier, vous avez vu la vitesse avec laquelle les choses ont été traitées sur Kaboun, le dossier de Kabounda a été traité au Parlement. Banyati butu butu va voter Kabound n'est plus et imaginez-vous Mutoaza destitué, des Bapesarata rata l'occasion, il y a remise et reprise non tu es destitué tu restes chez toi tu ne viens plus il n'y a, a pas eu de temps de transition tu ne viens plus tu restes chez toi Soka tika qui fongola la na bureau sok karnena, et soka tika qui carnet na sur lequel il avait mis quelque chose et... Tout, 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 et si tu n'entres plus, on a cadenassé les, les bureaux. Et tout ça, nous qui sommes dehors, bien alors qu'il y a un jeu qui se joue entre trois camps. L'UDPS d'une part, FCC d'une part, de l'autre, et les États-Unis au coin. Bazo, donc, Babouaki, BAL, il y a rapport, il y a GEC. C'est ces rapports là qui a déclenché tout. Et maintenant, les États-Unis se rendant déjà compte que voilà, le terrain nous appartient. Et ils commencent maintenant à jouer des cartes contre les FCC. Il y a un moment là qui se dossier, mingi, il y a, il y a des tournements, il y a Autorité à FCC à salaboyé, pas il y a Salaboye, bah, n'y a à il y a salaboyé, et il y a il y Agnatamipe, accueilli. Et après, va bah profiter, États-Unis n'a bah profiter, profité, bah va récupérer l'armée, va bah récupérer la police, va bah récupérer justice. Ou FCC se rend compte, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Chers amis, les choses dont je vous parle, je ne suis pas, je ne peux pas me mettre ici, me permettre de vous dire n'importe quoi, crier. je suis en train de vous raconter des choses telles qu'elles se sont passées peut-être Bilon Bosayé pa Nabino mais habité exactement qu'est-ce qui se passe au juste FC jouant la carte croyant que nous avons réussi à mettre cameré à côté Pembenya c'est Nzoka il a il a été piégé pour travailler pour les comptes des États-Unis il y a un monde balandisa bango ba pilon Pion puis on y a Liboso va récupérer armée puis on y a mis va récupérer la police puis la va récupérer justice, et puis on quatrième pion, tout n'est à Alors, le FCC comprend que les choses ne se sont pas réalisées telles que leurs réalisateurs leur, réalisateur leur avaient promis. Ils se disent, nous devons revoir la carte. Alors maintenant, je suis en train d'expliquer les volets politiques du procès Vital Kamere. Je vais revenir sur les volets, les volets pénals. Le FCC, maintenant, s'est réuni en urgence. Basololi, Batindeli, Moisi à Olive Puisque le s'est dit, nous devons revoir la carte et faire en sorte que tout récupère Cameré. Puisque maintenant, là, les plans automotaques que et à boulevard pour nous, alors que les choses se compliquent, nous devons retourner vers Cameré. Peut-être que ça peut nous créer une autre occasion. Olive. Vous vous rappelez que Olive Lembe à la caméra. Olive Lembe l'a insulté publiquement. Alors, tu n'es pas une femme modèle. Quel modèle d'une première femme, première dame de la RDC, tu seras, tu vas montrer aux jeunes filles de la RDC. C'était une insulte à l'endroit où il y a moi caméra. Mais du coup, nous voyons Olive Lembe qui débarque chez Kamere chez euh, comment on appelle euh, Amida Basolola. Basololi et le problème au cœur de leur discussion était nous voulons approcher votre mari nous voulons lui parler moi si Amida s'engage à préparer le terrain chers amis je pense que vous êtes en train de suivre la situation d'Engelékelaki Amida se prépare maintenant Yakobong se terrain elle envoie, elle va voir son mari. Bah, son mari dit Ok, ça va, ils peuvent venir. Némi Mouilani n'a jamais été en prison centrale. Chers amis, si vous suivez l'évolution de tous ces événements, vous allez me donner raison. Et je n'ai pas intérêt à venir vous raconter des choses. Némi Mouilani n'a jamais été en prison, Yamaka, là, depuis 18 ans, pour visiter les prisonniers. C'était la première fois qu'il va visiter. Vital Kamere. Et tout le monde, nous avons commencé à raconter des choses, mais comment, qu'est-ce qui se passe Moulin a rencontré quelqu'un de l'opposition, et là, il faisait semblant de dire, nous les visitons dans le cadre de notre partenariat. Non. Nous les visitons dans le cadre de notre alliance, non. C'est dans le cadre de pourparler pour que les choses puissent prendre une autre dimension. Puisque le FCC a compris que, j'ai mabé. le FCC s'en va, Sololina Vitalé. Vital n'était pas aussi euh, trop ouverte, trop, disons, trop, euh, comment dire, il n'était pas trop convaincu. LCC Bazongi, Bakelouka Bassango, Bokende, Borrenforcé, Bassango, on vous utilise. Je ne sais pas, les sangos, comment on peut vous utiliser aussi facilement comme ça. Donc, Bassango, Bakelouka, de Bobondelaye, il faut tout la masolo.

euh, D'abord, avant, qu après sa condition, l'UDPS comprend que on est en train de récupérer Vital Kamere en prison. Alors, l'UDPS maintenant s'est dit non. D'ailleurs, l'arrestation à Kamere et Bissot, l quitté, nous devons continuer nos discussions avec Kamere. C'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, Kabouya a dit un jour que nous étions en communication avec le président de l'UNC en prison pendant 35 minutes. Je ne crois pas que le Bazo sur la Marambéaboni santé. Non, ce n'était pas ça. C'était des pourparlers politiques. Ils, ils ont dit. Ça, c'était un appel au Balobaki que nous étions. Euh, Kabound avait parlé avec l'autre pendant 35 minutes. Mais il ils s'est parlé. Puisqu'ils ont compris que les FCC avec des de visites qui se multiplient en prison, nous allons rater. puisque en 2023, Maintenant, Vital Kamer, et maintenant je vous montre la situation. Vital Kamer devient très important. Et pour lui, lui, euh, le, le FCC, et pour euh, l'UDPS, et les États-Unis, pour lui, ils se, il se, il se frottent les mains. L'UDPS dit en 2023, il faut aux États-Unis. Il faut tout un allié de taille pour aller avec lui euh, aux élections. FCC, pas à l'objet. Non, 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 non. Maintenant, comme les choses euh, se présentent de cette manière, nous allons négocier avec. Euh, avec Kamere, euh, et s'il nous accorde, nous avons la possibilité de changer les choses, même s'il y a eu déjà un jugement prononcé. Chers amis, maintenant Kamere se trouvant dans une position de force, il dit trouvez-moi un cadre qui vaut, qui y est loin de toute suspicion. Comme ça, tout solo là, que je sois, concentration comme ça, puisque ici. C'est pas un moment approprié, c'est pas un endroit approprié pour discuter de ce genre de choses. On se décide d'évacuer Kamere de la prison jusqu'à l'hôpital centre Nganda, soit disant qu'il est malade. Moi, je sais que Vital Kamere n'est pas malade. Ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez l'accepter ou pas. C'est mon point de vue. Vital Kamere n'est pas malade. Puisque ce dossier ici, je l'ai documenté, j'ai suivi, j'ai fait mes appels, j'ai fait mes recherches. Et je le dis en toute conviction. Vital Kamer oblige toutes les deux parties, surtout les FCC, trouvez-moi un cadre comme ça, un cadre qui est loin de. Puisque votre, vos, vos visites ici, hein, ils, ont, ils ont suspecté cam. Bah, Déclarer, Vital Kamer est malade. Non, les lois à la bienté, les lois à la libienté, les lobbies à la libienté. Tout le monde, toute la gestion, toute l'équipe qui gère la prison, c'est l'équipe laissée par Joseph Kabila. Sous la supervision de Moulania et les autres. On ordonne que Kamé quitte l'hôpital, euh, quitte la prison pour l'hôpital. Et là-bas, si vous pouvez remarquer, il était annoncé, les les, les, les Ils sont allés en appel. Appel est-il l'élo, appel est, -il, et est -il à la matin. Ils sont allés en appel et en appel, les est lobbyés, les et lobbyés, ainsi de suite. Bah commis bah, va bah, bah, repousser un mois, bah repoussé deux mois. Ce sont des discussions à l'étape où nous sommes. Même si on demande que Vital Kamere, est-ce qu'on peut nous dire les médecins peuvent nous dire Vital Kamere a souffrir telle maladie Thomas Abela qui prostate et comment quitter un niveau aigu est-ce que a une insuffisance rénale Vital Kamere? Est-ce Kazan a coronavirus, coronavirus Est-ce que on ne connaît pas la maladie ou Vital alors, s'il arrive aujourd'hui que Vital Kamere, ministre, je, vous, je voulais vous parler, puisque la personne qui a soulevé le dossier, c'est les ministres de la Justice. Non, les vice ministres. Or, les dossiers Yakamere et la Santé doivent être documentés par les ministres de la Santé. D'abord, tout a bah que Vital Kamere est dans une situation telle. Voici la maladie, la justice, ces messieurs méritent d'être transféré. Mais le ministre de la justice quitte son bureau. Vice ministre Petit a confiance à Vital Kamere. Petit a confiance à Vital Kamere. Hier n'a a Longondo, Bazali Koyo Kanate. Mais Vital Kamere n'a vice ministre ou on a et les Kaméré et les, et les, Kamere, les ministres. J'ai encore euh, oublié son nom. Alors d'après mes informations, maintenant il s'agit que Vital Kamere va ordonné. Ministre à la a commis en centre Nganda, thermomètre T, et T, locomorothé. Il se décide qu'il va évacuer les bandes. Ce n'est pas facile, ce n'est pas une chose facile, c'est une sollicitation. Il y a Kamere, puisque Bazalaki, donc ceinture n'a pantalon. Alors voilà pourquoi moi je dis les jeux et les jeux du FCC qu'à partir de l'extérieur, nous avons la possibilité de prendre des engagements fermes avec des partenaires, puisque n'oubliez pas que Kamer est très influent, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de l'extérieur aussi. Il a des pays vraiment au très serré. Et il faut que Banda, comme ça, les engagements pris à l'extérieur avec les FCC seront crédibles. Voilà, chers amis, là où nous sommes. Si Kamer va sortir aujourd'hui, à vous, je reviens pour vous dire, prenez mon émission d'un certain dimanche, le 29 novembre, qu'est-ce que j'avais dit? Là, c'est les volets politiques. Vous comprenez pourquoi Vital Kamer est en prison, est en prison. Mais les volets aussi pénal, Vital Kamer est pendant que toutes les, tous les trois acteurs étaient en train de, de jouer le, leurs cartes sur lui, Yazo et Bate, il s'est plongé ma moto Suki, tout dans les histoires il y a il y a 100 jours ne sachant pas que puisque pour lui c'était tu sais qui dit c'était lui et après lui il y a, il y a personne d'autre voilà comme comment on a joué sa carte dans tous les sens c'est une carte triangulaire c'est ainsi que baois qui est facilement les la dossier on a trouvé que il y a des choses chers amis ces dossiers où oh, il y a, a Vittel Kamere, il y a des gens qui disent que bon, c'est un dossier politique, mais sur le plan pénal, Vital Kamere est pénalement responsable. Nous avons suivi ces procès, tout le monde a suivi ces procès. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses à dire. Puisque vous pouvez vous remarquer, vous pouvez remarquer que c'est dans ces projets, dans ce procès, que nous avons appris que quelqu'un peut aller déposer son argent à la banque. À déposant le lundi, banque hier qu'on déposant on a compte naier na jour Moussous. Vous avez suivi le procès, c'était en ligne. Donc, tu déposes l'argent dans ton compte, tu déposes le lundi et la banque cherche une date à laquelle cet argent sera déposé dans ton compte. Et ça nous avons vu ça dans le procès des Vital caméras Dans ce procès des Vital caméras nous avons vu que quelqu'un peut détenir être dans les business pendant 20 ans, mais quand il y a un numéro, il y a compte, il y a commerce, Alors que ce numéro-là n'a que 4 chiffres. Moi, c'est à Maman, vous travaillez Oui. Vous faites quoi Je suis business woman. Depuis combien de temps 20 ans. Numéro, il y a compte. Il y a un numéro, il y a registre, il y a commerce. Quatre chiffres. Hein pendant 20 ans, 4 chiffres. C'est dans ce procès de Vital Caméra. Chers amis, c est, c est dans ce procès de Vital Kamere, nous avons. Nous nous sommes rendus compte que tu peux faire un mariage et à la fin, au, au compte en bon, on a compte, on a un mariage, un million de dollars. Moi, c'est Vital Kamere. Nous avons appris tout ça ici. René, t euh, a, Je ne sais pas, mais tu termines le mariage au compte en bon, il y a un cadeau, un million de dollars. Au déposant, on a compte. C'est dans ce procès que nous avons vu qu'un entrepreneur peut bénéficier d'un marché de 57 millions de dollars alors que son chiffre d'affaires, c'est 450 dollars. Je répète bien, 450 dollars et tu bénéficies d'un marché de 57 millions de dollars. C'est dans ce procès de VK que nous avons, nous avons appris qu'on peut accorder un marché à quelqu'un. Qu'on n'a jamais vu ni rencontré. On a posé la question est-ce qu'on y Abi en tout cas, je ne le connais pas. Tu l'as déjà rencontré Non. Mais, vous pouvez vous rappeler, il y a un ministre là, les kaki. Abi, quand je suis arrivé au bureau du directeur de cabinet, j'ai rencontré ce monsieur dans la salle d'attente. Les jours là, dans la salle d'attente, on a Donc on peut donner 57 millions de dollars des Congolais. À quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais rencontré. Nous avons appris ça dans ce procès de VK. Ce procès de VK nous a, nous a, nous a enseigné que on peut quitter, puisque VK, Azamutatanga, très intelligent, il sait très bien que l'avenant, Kozala, un avenant qui vient accompagner les, les contrats initiaux, ne peut pas dépasser les montants définis dans les contrats initiaux. De 15%. Ça, c'est la loi congolaise. On ne peut pas dépasser les montants initials. Même si avenant, il y a eu des petits problèmes, on ajoute de l'argent. Cet argent ne peut pas dépasser les montants initiaux convenus dans les contrats. Mais avec VK, nous avons vu qu'un avenant peut aller jusqu'à 200%. 200%. De 15 à 200. Nous avons vu dans ce procès de VK que on peut accorder à quelqu'un une parcelle par téléphone. On peut accorder. Imaginez-vous. beaucoup hein, on te donne une parcelle. Et toi, tu appelles quelqu'un, on te donne un cadeau d'une parcelle. Tu appelles aussi quelqu'un, tu lui dis, euh, Je peux te faire un cadeau, je te donne une parcelle. C'est dans ce procès de VK que nous avons vu ça. Dans ce procès des VK, nous avons vu. Que tu peux appeler les conservateurs au Bengui, au bon parcelle, Yamokolo, parcelle. On donne les noms et l'identité de la personne. Vous demandez aux conservateurs de se débrouiller et de, de, de vous chercher l'identité et imprimer les certificats. Est-ce que vous pouvez vous imaginer C'est dans ces procès des VK. Nous, nous sommes vraiment prêts à dire bon, euh, hein, bon, il y a, y a eu les procès. Non. On appelle les conservateurs. On lui dit, je, je cette parcelle là. Je, je et puis c'est dans ce procès que nous avons vu que quand on te fait un cadeau d'une parcelle dans la commune de la Gombe, cette parcelle, tu oublies ta femme pour mettre de son nom, tu oublies tes enfants puisque tu es marié et tu as des enfants, tu oublies tes cousins, tu oublies tes neveux, tu oublies tout le monde proche de toi. Tu vas prendre la fille, l'enfant de ton oncle. C'est dans ce procès de VK que nous avons appris tout ça. Tu vas prendre la, la, la fille de ton oncle, tu lui dis, euh, et puis, euh, conservateur, cette parcelle-là, je, je la donne à la fille de mon oncle. Et les conservateurs, c'est, reste c'est des débouiller pour chercher l'identité. Puisque, Baloba, est-ce que tu connais l'identité Non. Moi, j'ai donné seulement les noms. Bah, nous ne sommes pas aussi des petits-enfants quand même. Et c'est dans ces procès que nous avons vu qu'on peut se promener avec l'argent de l'État. D'abord, on peut donner un ordre d'émission à son subalterne qu'on n'a jamais vu. C'est les types-là, les, les douaniers-là. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Ceux qui mouillent, ceux qui... Je vais encore chercher son nom. On pose la question avec Aesco, Yebi, Ajaoui. Non, on a eu ka n'a présidence maintenant, on a été. Mais tu fais un ordre démission, tu lui donnes autant de millions de dollars qu'il y a Salam. autant de millions qu'il y a Matadi. Mat mat C'est comme si l'agence, il bon, a de Matadi, il Matadi a un compte bancaire. Pour que l'argent quitte la banque centrale, bah, celle que moi transfert, ce sont des chiffres. Combien Un million Deux millions bah, Tindi y a un compte, il y, y a soit douane, soit DGI, soit de Non il faut attendre la bon ou dans Mutuka. Osa Wapi, Hotel, Wapi, Yaka, avec l'argent des Congolais, du, des contribuables congolais. C'est dans ce procès que nous avons appris tout ça. Et c'est dans ce procès qu'on a appris qu'on peut. Euh... En fait, il y a beaucoup de choses que nous avons apprises dans ce, dans ce procès de VK. Mes chers amis, VK ne dirait que pour dire... J'ai exécuté cette mission, c'est pour les comptes du chef de l'État. D'accord, on est d'accord. Il voulait que tout soit pressé. Oui, on est d'accord. Il voulait qu'on fasse ça des urgences. Bon, mais la boy, VK Bengi. Dossier, on a comment dirais-je j'appelle d'offre. Donc, sélectionner seulement. On a déjà sélectionné une maison. Maison, il y a Jamal. les sorti. Non, Antoine, ne traînez pas, c'est une urgence ordre de la présidence. C'est comme ça que l'opération 100 jours s'est déroulée. Mes chers amis, si réellement les choses ont été faites au nom et pour les comptes du président de la République, comme j'entends d'autres personnes dire. Admettons que le président à Zobela. Moana très malade. bengi chauffeur vient. Bozama a hôpital, Il hôpital. D'accord, chauffeur à côté il y a Les chauffeurs à mais maman l'hôpital. est en hôpital. Il va brûler le feu rouge. Ah, le feu rouge, c'est le même Je le cas. Puisque toi, tu as l'enfant du président. En il faut ouvrir le café rouge. Mais il que qu'il y a droite. le côté Est-ce que, puisque tu as l'enfant du président à l'intérieur, à que c'est une urgence. Il faut, au sens, sens, sens contraire ba to masoke en de sans donc deux sens yo lobino na ke na sens normal tena ke na sens 3 ans puisque na mon na president ko soko sali accident bo sali to non na yomoko na mon na president bokoufa chers amis est-ce que le président Lira, le ralobi que projet o esaïe urgence il fallait brûler les étapes bah ke itiko zona réserve yo esaïe etika le ke et et soutenir même monen nabiso parce a par contre 57 millions de dollars monsieur va c'est 57 millions de dollars après si tu as garantie à Tonga nani cloute c'est 57 millions, 5, millions, 5, millions mais dans la bonne manière de faire les choses Et Zalaka, on te donne d'abord peut-être cet argent en trois tranches première tranche au sali au sombi bilokoye Yo c'est pourquoi on prend toujours des compagnies où vraiment on a ma capital On peut dire que tu préfinances 50 Toi as tout ça l'évaluation tu tu foutu au 50 Et puis les Rosali les sous-sous, aussi les 100 toi et tu ça tu payes 100 en bon on C'est comme ça que les contrats très souvent c'est comme ça. Mais oh tu as là, yo soit 57 millions. Que nous sommes babassettes, nous sommes notre problème, c'est. En tout cas, ce n'est pas notre problème. Tu prends de l'argent, vas-y. Et ça, le marabongo, chers amis. Ça ne se fait jamais. Et nous avons vu ça dans le procès VK. Voilà, chers amis, il y a eu des choses. Il y a un transfert de sur Il y a un montant, je vais vous le dans un espace, peut-être il y a deux mois. sur que vous montant, il y a d'une banque à une autre. Si les bananes n'ont les gens ont compris que VK, il y a quelque chose. Même nous qui crions dehors, non, le chef de l'État s'implique. Tu sais que des très intelligent. Vous avez vu ici, Nalikambouya, conseil d'État, en face à Mabunda. Tu sais que des acquis à pénalité, à marquer ma solo, tout est changé. Ce que ça a Mais la bêne dit conseil d'État, nous avons besoin d'un ministre de nouveaux bureaux. Bonne année, Anatole. Mais je suis sûr qu'Assalat a appelé, puisque le conseil d'État a dit Il avait déjà réussi les dossiers avec euh, motif, le dossiers est acceptables et fondés. Recevables et fondés. Mais les bah, dossiers sont recevables. Est-ce que vous êtes sûr que... Ce qui manquait à Tshisekedi, c'est un, un téléphone. Il a des téléphones dans son bureau. Les dossiers, ils en ont. de ont sauter Bango. Nous avons besoin d'un autre bureau, nous avons besoin d'une autre majorité, mais Tshisekedi n'a rien fait. Abi, je ne souhaite pas avoir la majorité par tricherie. Le Moi, je reste dans Maintenant, vous demandez à Tshisekedi, non, chef de l'État doit s'impliquer pour que Kamé Je ne souhaite pas vous étaler toutes les histoires dans le procès VK. Procès VK, pénalement, il est responsable. Mm -hmm. Bo tous les témoins qui sont sortis. Je n'ai jamais participé à cette fameuse commission. Je ne connais pas ces histoires-là. Et quand on regarde de côté, toujours des problèmes transfert, il y a miné, il y a ma casse, dans la période Moko. On a dit, mais c'est cet argent. Et du coup, avocat, il y a qui dit, dans cet argent-là, mon client n'a reçu que 3%. Même ce on appelle les autres, euh, donc on est allé en appel, ça traîne. Moi, je ne pense pas que tu sais qu'elle dit. A le temps de prendre ton téléphone, appelé, Bon, avancer avec ces dossiers-là, il faut bosser C'est le FCC qui est, à, est en train de jouer son jeu, qui veut maintenant que n'y a pas qu'elle négocier Et puis avec, euh, avec la présence. Maintenant, le FCC veut avoir Kamera à Zongiselié, place euh, Ilun Kambazali, premier ministre. Comme ça, il a des garanties que batona Bangote Et puis, à récupérer Fayoulou. C'est mon écran prophétique hein, qui est en train de dire ça. Je reviendrai pour vous demander Lélo Martin Fayulu Azad. Le bas peut-être à se sentir hein, gêné pour signer un partenariat avec le FCC. Mais ce qui est sûr est que, il veut la renverser, tu sais qu'il dit, en récupérant Kamere et Fayoulou. Je reviens pour un autre numéro. Total Alano, 20 Oyo et l'ECA. Mais moi, je suis convaincu. Et je demande aussi que la n'est pas malade, il ne peut pas aller à l'extérieur. Vous savez, quand on est en prison, on, est, on a une liberté un peu limitée. Moi, j'étais en prison. le premier jour, deuxième jour, troisième jour, je sens vraiment, j'ai compris que... Hein, Pression, m'a si j'avais beaucoup pensé, j'avais. Donc, puisque tout s'arrête, et c'est ce qui arrive à Vital Kamer. Il n'est pas du tout malade. Mais il y a peut-être de hein, à force de trop réfléchir, à force de penser, mais quel sera mon avenir, mon passé, voici comment il était, et mon avenir maintenant, dans 20 ans, et comment les choses vont se passer. Ah, mais quand ça, la et ainsi de suite. Maintenant, il réfléchit parfois à cause de la barrechite, mais il n'y a pas une maladie aussi certifiée que non, ceux qui vont Non, je ne vois pas cette maladie-là. Il y a beaucoup d'hôpitaux à Kinshasa. Il y a beaucoup de bons hôpitaux à Kinshasa. Il y a beaucoup de bons hôpitaux. J'en connais quand même. Même ceux qui ont dit, Chinois bazana des hôpitaux, Canadiens ont un hôpital, Ngaliama c'est un grand hôpital. Il y en a beaucoup. Et puis, c'est une leçon aussi, imaginez-vous dans 57 millions de dollars, ce que Balobi va réhabiliter, 26 provinces, chaque hôpital de référence de chaque province doit être réhabilité. n'a a 1 million de dollars seulement. Nous 1 million est côté d'un hôpital. On a 26 millions de dollars et au côté hôpital au d'un les gens n'ont pas besoin d'envier Kinshasa. Tout est là, le ma matériel est là, tout, 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 toutes les bonnes conditions, courant, panneau solaire. Donc l'hôpital vit. Mais quota, Jamal dit que je n'ai reçu que 3%. Alors à qui on va poser la question de ces 54 millions, euh, 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 comment dire, euh, 97% qui restent Et puis vous savez, Vital Kamer, c'est quelqu'un de très intelligent. Tu sors de l'argent tu donnes à quelqu'un. Du coup, on hein, cache. Jamal, avec son âge, a accueilli. Trois jours une semaine après, a accueilli après crise à Kofi. Vous allez poser la question à qui Pour qu'à ce en question à l'État. Donc, les choses ont été très mal gérées par VK. Avouons ça. Même s'il y a derrière ça un dossier politique. Et c'était ça, mon, mon avis, euh, mon point de vue, chers amis. Les choses ont été très mal gérées par VK. Il mérite, la prison, est la prison que à il mérite ça. Puisqu'il avait mal géré le projet 100 jours. 100 jours, on a côté seulement Yandako. Côté Basso de Tolobis. Puisque c'est lui qui était le manager général principal il y a 100 jours. Alors, si aujourd'hui, nous nous permettons de dire, non, écoutez, il y a ceci, il y a cela. Bon, j'ai fait mon analyse. Ça n'a pas un droit à laisser. Merci de l'avoir suivi pour aujourd'hui. Aimez notre chaîne Mosaïque TV. Nous vous serons très reconnaissants. Et puis, si vous avez peut-être des commentaires à nous faire ou des propositions de sujets à, à, à nous proposer pour débattre, en tout cas, n'hésitez pas. Commentez, envoyez-nous vos commentaires, vos messages. Nous serons très heureux de les lire et très, très heureux de partager euh, vos points de vue euh, par rapport à ce que nous faisons comme travail. Chers amis, bon dimanche. Prenez bien soin de vous et travaillons dans la beauté des choses. Merci.